Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cup34, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Argent mais de la qualité, l'épisode 12, si je dis pas de bêtises. Et dans cet épisode, on va faire encore une fois, comme d'habitude, 3 matchs et on va aller voir qu'est-ce qu'on a vendu avant d'ouvrir le pack. Donc on a vendu une carte MLS à 150, on a vendu Lens à 750, on a vendu une carte, c'est quoi comme carte ça? C'est Pilier je pense, à 600. Et on a vendu Grün à 150, qu'on va tout retirer. Tout ce qui ne s'est pas vendu ici, je vais tout faire vente rapide. Tout simplement parce que c'est pas parti et j'ai relisté plusieurs fois. Donc ça sert à rien que je garde ça encore plus longtemps. Donc hop, à moins qu'il y ait un truc qui m'intéresse, je vais tout vendre. Hop, voilà, une carte vitesse, on s'en fout. DD, DLD, on s'en fout, j'en ai pas besoin. La carte style, on va la garder vu qu'elle part pas. Allez, voilà. Aguilar, tu dégages. Sané, pareil. Armand, pareil. Stendardo, pareil. Un écusson tout dégueulasse de série B, je pense. Il part. AGMG en poste, on va le garder. Ça tombe, il peut être intéressant parce que j'ai un joueur qui joue à. Qui est Bolasi, qui est en AG, là. Peut-être que je vais l'utiliser cette carte. Et Seferovic, il est bon, mais désolé, ce n'est pas l'équipe pour toi, donc voilà. Donc, vente rapide, surtout, voilà. À part sur la carte là, que vous avez vu, hein, la carte ici, plus 6 tout attribué parce que ça peut se vendre un peu. Ça peut se vendre, hein, mais bon, voilà. Pour le moment, ça part pas, mais ça pourrait peut-être vendre. Se vendre après. Donc, on a une très très belle équipe de la semaine et on a notre pack du lundi, tout simplement. Donc, il faut espérer avoir du lourd. Et ben, les amis, on est parti. Let's go. Espérons avoir du lourd, une petite carte uniforme, ce serait sympa, vu l'équipe de la semaine qu'il y a. Belaglio, Sommer, c'est bien. Ouh, Lens et Milner. Milner, ça vaut des crédits, si je dis pas de bêtises. Milner, ça vaut des crédits. Et le MOC, là, peut-être qu'il vaut des crédits aussi. Hein. Bon, voilà, faut voir s'il a 4 étoiles ou pas. Mineur, ça valait des crédits. Sommer, je ne sais vraiment pas vous dire, mais en tout cas, il a très très belle carte. Et il est bon en plus. Mais je ne sais pas dire s'il coûte des crédits. Ouais, un peu. Lens, on l'a vu tout à l'heure, il vaut 750. Et lui, il n'a pas 4 étoiles. Mais est-ce qu'il vaut quand même des crédits ou pas? Ouais, un peu. Un peu, donc c'est bien. Donc tous les joueurs là, on va les mettre dans la pile. Je vais aller les vendre après. Hop, voilà. Ça fait quand même plaisir. Ensuite, ça, on va le mettre dans la pile également. Oh, on a eu 1000 crédits, donc ça c'est nickel. On a eu 1000 crédits, hop. Ça augmente mes crédits, hop. Ça fait 55 000 crédits, ça fait plaisir. Et le reste, on garde. Bon, après les gars, pour vous, je vous conseille quand même de vendre les cartes forme si vous avez vos deux équipes. Moi, je préfère les garder au cas où. C'est une précaution que je prends. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère faire ça. Donc, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous... pas vous ouvrir un pack. Je vais aller vous mettre tout ça en vente. Et on revient tout de suite. Bon, voilà, j'ai tout listé. Je peux vous montrer, j'ai tout mis à 150 et 5000. Pour pas perdre trop de temps. Donc, à part Mineur que j'ai mis à 700. Et allez... Et Sommer que j'ai mis aussi à 700, si je dis pas de bêtises. 750, voilà. Donc j'ai tout listé, on verra bien si ça part. Donc en tout cas, on n'est pas en galère de crédit hein, pour le moment. Donc ça fait plaisir. On a un joueur à remplacer. C'est notre gardien en bas de la Premier League. C'est Pantilmon qui va sortir. Et il va faire place à Begovic. Begovic, un ancien gardien qui a joué en D1 belge. Pas longtemps, hein, mais il a joué un peu. Il coûte combien Begovic? Il coûte 2-3 000 crédits. Donc on va laisser l'acheter. Donc on se retrouve tout de suite. Bon voilà les gars, c'est fait. Je me suis acheté Begovic. Je vais aller vous montrer pour combien je l'ai acheté. Ouais, merde, pourquoi j'ai quitté? Je l'ai acheté pour 2000 crédits tout pile. Donc voilà, il a 9 contrats, 98 de forme.
Donc je suis un peu embêté parce qu'il y a eu juste après que je l'ai acheté, il y a eu un Begovic exactement au même prix avec un style, avec un bon petit style et beaucoup de contrats. Donc bon, c'est pas grave, hein, je l'ai raté. Ce fait, je l'ai acheté. Donc maintenant on a un autre bon gardien que j'ai déjà testé et qu'il est bon. Après faut savoir que dans cette série pour le moment j'ai pas vraiment de chance niveau gardien. Allez, enfin j'ai pas eu vraiment de chance parce que là ça va, on est à 4 victoires, une défaite. On reste sur quoi encore? On reste sur une défaite 1-2, une victoire 3-1, une victoire 5-0. Donc on va essayer de faire le maximum pour obtenir le titre, donc c'est-à-dire une victoire sur 3, ce serait déjà possible, ce serait déjà bien, et si c'est pas possible, ben, franchement je pense que je vais me remettre en question. Ou alors 2 matchs nuls. Après, je sais pas si je vais arrêter la vidéo là, on verra bien. On verra bien selon la vidéo, je pourrais arrêter la vidéo à 2 matchs, peut-être, à 1, à 3, on verra bien. Donc j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Et donc on est parti les amis pour retrouver un adversaire. On va faire notre premier match avec notre petite Barclays Premier League et avec notre nouveau joueur, Begovic. A tout de suite. Allez les gars, on est parti, on a trouvé un adversaire avec une carte informe, je ne connais pas son nom, je sais plus son nom. Je l'ai déjà vu, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. Le milieu droit, les Douglas Costa plutôt, et Martinez, belle équipe, très très belle équipe, donc il va falloir faire très attention. Et donc on se retrouve pour les meilleures actions de ce match, en espérant qu'il se passera bien. Je parle pas, quand je dis se passera bien, c'est pas vraiment une victoire pour moi, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir en jouant. Donc, les amis, on est parti. Let's go! Bien vu ça! Allez, la frappe! Dommage. Oula, mon joueur, il a fait un de ses vols planés. Dommage, j'ai bien joué là, mais c'est pas grave. On va essayer de pousser encore pour aller chercher le but. Allez, vas-y Welbeck, Welbeck, mais frappe plutôt! Ok, il y a eu un avantage sur penalty. Bon, après il me l'a donné, donc tant mieux. Mais bon, les dommages qu'on n'a pas pu frapper plus tôt, parce que là je lui ai demandé de frapper plus tôt et il a pris 100 ans pour frapper, je ne comprends pas pourquoi. Donc, ça fait plaisir, on a un petit péno, il va falloir le mettre, hein. Sachant que moi et les pénaux, mais c'est pas trop ça. Donc on va voir si je vais réussir à le mettre. Wijnaldum, à gauche, et elle rentre quand même. Oh my god, j'ai eu chaud là. J'ai vraiment eu très très chaud. J'ai cru que le gardien allait encore une fois l'avoir. Parce que moi les pénaltys, c'est même pas dans le jeu, c'est bon. J'ai vraiment pas de chance dans les séances de tir au but. Je n'ai pas gagné beaucoup depuis le début de ce jeu. Allez. Et j'ai souvent la poisse avec des poteaux ou quoi, ou alors les gardiens qui arrêtent tout. Et moi, quand je pose de bon côté, j'arrête rien. Mais là, ça fait plaisir. On a marqué un but à 0. Allez, mais non, mais tu peux pas siffler là-dessus. Oh, mais c'est dégueulasse. Putain, je partais tout seul devant le but. C'est incroyable, ça. Bouh, c'est vraiment énervant. Oh, non. Bon, c'est pas grave. Allez, les gars. Pour le moment, ça fait plaisir. On a eu une seule occasion sur penalty. Ça. Il n'y a pas beaucoup d'occasions dans le match. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il n'y a presque rien. J'essaie de faire tourner et tout, de construire. Sauf que, voilà. Vous pouvez voir ma précision de passe exceptionnelle, 73. Les passes, c'est du n'importe quoi. Donc on va essayer de faire le taf d'une autre manière. Donc les amis, on continue. Ah, est-ce que les passes sont revenues?
Oh, dommage, la frappe n'est pas revenue par contre. Mais là, j'ai réussi à combiner des belles passes, ça fait plaisir. Non, 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 gardien! Oh là 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 là, c'est chier. Un but partout, les gars. Avec un peu de chance, hein, le mec, j'ai essayé de tout faire pour le coin là-bas, j'ai rien pu faire. Après, quand il a réussi à passer, il a fait des petits zigzags et c'est quand même passé. Un but partout. Oh, le coup franc de Shaqiri sur le poteau, mais non! Oh, mais il était splendide ce coup franc, le Shaqiri! Ah, mais je suis dégoûté! Oh non! Allez, la frappe, le gardien, mais c'est pas possible! Allez! La frappe encore, le gardien, mais oh my god! Oh, ça veut pas passer! Franchement, j'ai vraiment pas de chance, hein. Allez, le gardien, encore une fois, sur corner, mais. J'en peux plus, les gars. Magnifique centre, le gardien, encore une fois. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, allez, Welbeck. Allez, Welbeck. Please, Welbeck! Voilà, Danny! Je pense que c'est Danny, hein. Moi j'espère. En tout cas, ça fait plaisir, les gars. Oh là là, on a continué à pousser et enfin c'est passé. Mais oh my god, tout ce qu'il fallait faire, quoi. C'est Danny, c'est bien Danny. Mais tout ce qu'il fallait faire pour marquer un but, quoi. Oh yes, ça fait quand même plaisir, là. Pour obtenir ce résultat, maintenant. Bon, les amis, ça fait plaisir. On a gagné ce match. 2-1. C'était très très chaud. J'ai vraiment eu de la patience pendant tout le match. Heureusement que le dernier tir est rentré parce que franchement ça aurait été dommage de ne pas gagner ce match. Et ça fait plaisir, on gagne 5427 crédits. Donc après je ne sais pas si c'est mérité le match, si c'est, on peut le dire, hein, j'ai été beaucoup plus réaliste que mon adversaire. Moi j'ai fait le jeu, contrairement à mon adversaire qui n'a pas arrêté de faire des tout droits et des petits zigzags et tout. Moi, vous avez pu le voir, j'ai créé des belles occasions, tout comme à la 47e minute de jeu, là. À peu près 45, bon, après la mi-temps, quoi, ma belle construction de passe. Ah, ben, j'ai essayé de faire ça tout le long, parce que c'est mon style de jeu. Et au premier mi-temps, ça n'a pas passé. Deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus fluide. Ça se voit, hein, j'ai pris plus 7 en précision de passe. Donc, ça fait plaisir. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, les gars. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Vu qu'on a le titre, on va arrêter sur une bonne note, hein, pour une fois qu'on peut arrêter sur une bonne note. Donc on est en division 7 pour le prochain épisode, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça. En tout cas, on a 60 000 crédits maintenant, je pense. 58 000, donc c'est à peu près ça. On est bientôt aux 60 000 crédits, ça fait plaisir. Sans mettre d'argent dans le jeu, je tiens à le préciser. Donc hop, si on pourrait aller voir le classement, ce serait sympa. Donc les amis, on se retrouve tout de suite. Bon, bah, les amis, comme vous le voyez ici, on est en division 7, ça fait plaisir. Donc on va voir l'historique de saison, hein. Sans compter, n'oubliez pas les déconnexions et tout qu'on avait eu, hein. Logiquement, on ne devrait pas avoir 8 défaites. Je pense qu'on devrait avoir 2 ou 3 défaites, voire moins, je sais pas. Donc au total des matchs, on a marqué 37 buts, on en a encaissé 18. Donc ça fait plaisir, ça. Donc on a une différence de but de 19, on a 46% de possession de moyenne, 67% de précision de passe, c'est très très peu. Meilleure division de 8, mais évidemment. 13 victoires, 4 nuls, 8 défaites. Je ne compte pas la défaite, mais évidemment, de la faute de graphe, parce que c'était pas en vidéo, tout simplement. Et de toute manière, c'est pas dans la saison. Donc là, ok, génial, merci l'ambulance. Donc les amis, on va terminer la vidéo là-dessus. Désolé, what the fuck, il se passe quoi là?
Donc on va terminer la vidéo ici, donc désolé pour le bruit là, tout simplement de l'ambulance. Donc on va terminer la vidéo ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus longue, je pense. Et donc c'était Cap 34, prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.